Je m'appelle Philippe Bulmer, j'enseigne à la Commission scolaire des sommets depuis 11 ans. D'accueillir des élèves, moi, de vivre des activités significatives avec eux, qui vont se rappeler, je pense, pour longtemps, c'est ce qui me motive à me lever le matin. Quand je propose une idée, on ne met pas de bâton dans les roues. On fait plutôt en sorte que ce soit facilitant pour moi. J'avais en tête un projet entrepreneurial, et là, les élèves ont soulevé l'idée de planter des sapins de Noël qui allaient nous rapporter des sous un jour pour pouvoir construire notre gymnase. Donc, on a vendu des sapins naturels, mais on les a aussi récupérés. Les jeunes ont recueilli les sapins, les ont ébranchés dans les tranches de bois, les élèves découpent des nœuds papillons. Ouais, c'est les débuts, disons. La couleur bleue, on en a. On a eu la chance d'avoir la directrice générale qui est venue rencontrer les élèves. Quand elle est sortie de la classe, on était tout emballés parce qu'elle venait de dire aux élèves que notre projet entrepreneurial, l'idée de construction d'un nouveau gymnase, d'un projet comme celui-là, bien, qu'elle serait avec nous. De voir que les gens qui dirigent la commission scolaire, ils sont autant intéressés que moi, bien, ça me fait chaud au cœur parce que ça me dit bien, je suis dans le bon chemin. L'école arc-en-ciel me fait vivre de belles émotions depuis que je suis arrivé. Et je crois en cette école-là, je crois en les élèves qui y sont, puis je me vois ici pour très longtemps.